Il y avait beaucoup de nuisibles au sein des restaurants, que ce soit des rongeurs du type rat, souris, ou que ce soit des cafards, malheureusement. J'ai commencé à travailler dans une grande enseigne de Pokéball en juin 2020, donc juste après le déconfinement, et j'ai travaillé 1 an et 8 mois. J'ai commencé d'abord en tant que responsable, et ensuite je suis passée assistante manager, mais avec un intitulé assez particulier, c'était assistante manager volante. Donc j'avais pas de restaurant fixe, je me déplaçais selon l'envie et les besoins de la boîte. Alors à mon arrivée, j'avais pas constaté les véritables conditions de travail, mais c'est vraiment en me déplaçant de restaurant en restaurant, et une fois que j'ai travaillé dans un restaurant en particulier, que j'ai remarqué qu'il y avait de gros vices de procédure et de gros problèmes au sein de la boîte. Ça veut dire il y avait beaucoup de problèmes d'hygiène, beaucoup de problèmes de sous-effectifs au sein des restaurants. Alors les conditions d'hygiène, ça va être assez cru ce que je vais dire, mais il y avait beaucoup de nuisibles au sein des restaurants, que ce soit des rongeurs du type rat, souris, ou que ce soit des cafards, malheureusement. C'était souvent dans les sous-sols ou c'était dans les cuisines, ou au sein même de l'espace de vente. Vous pouviez voir des petites bêtes courir à même le sol, mais il fallait garder son calme, bien évidemment, vu qu'il y avait des clients dans l'espace de vente, et c'était assez compliqué justement de garder son calme. Donc les conditions, elles étaient assez exécrables. On n'avait pas de toilettes, que ce soit pour les clients ou que ce soit pour l'équipe, il y avait très peu de restaurants avec des toilettes. Donc souvent, il fallait se retenir pendant la journée, soit de boire, soit d'aller uriner, ou sinon, il fallait vraiment demander aux voisins, soit un restaurateur à côté, si on pouvait utiliser leurs toilettes. Alors dans la législation française, au sein d'un lieu de travail, un lieu de vestiaire pour permettre la change des employés et un lieu de toilette, du coup, c'est obligatoire. On avait remonté le problème, mais le siège était déjà au courant, étant donné que c'est eux qui louaient les locaux. Ils avaient conscience parfaitement qu'il n'y avait pas de toilettes, de vestiaire pour se changer. Donc souvent, soit on changeait à l'arrache dans la cuisine ou dans le sous-sol si on avait un espace pour changer, pour mettre l'uniforme du coup. Par contre, le plus dur, c'est vraiment le manque de toilettes en fait. En tant que femme, vous savez que on a nos périodes du mois. Ne pas pouvoir se changer dans des conditions propres, c'est compliqué. Ne pas pouvoir uriner, tout simplement, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de cas de cystite, d'infection urinaire, c'est mon cas. D'infection rénale très grave, c'est mon cas aussi. On a fait remonter les informations, mais il n'y avait rien qui changeait. Il n'y avait pas de contrôle sanitaire dans les restaurants? Alors en fait, il y avait des contrôles sanitaires tous les mois, faits par une société qui était engagée par. Les contrôles consistaient à vérifier le lieu d'espace-vente, la cuisine, si les conditions de préparation étaient respectées. Donc même s'il y avait présence de nuisibles, il n'y avait rien qui changeait. On a littéralement contacté les services d'hygiène de l'État, la DDPP, qui ont fait 2 audits et qui se sont très mal passés. Les mises en demeure pour remettre aux normes les locaux, ça n'a jamais été fait. Il y avait un harcèlement moral de la part des employeurs, que ce soit sur les équipiers polyvalents, les responsables, les assistants managers ou les managers. Les jours de vos arrêts maladie, vous savez que dans la législation française, vous avez le droit à la déconnexion. C'était absolument pas respecté. C'est-à-dire, le jour de vos repos, on peut vous appeler pour vous demander de dépanner sous couvert de volontariat, bien évidemment. C'est sous prétexte qu'on est une grande famille, on fait partie de cette grande famille, il faut être volontaire. C'est pas forcé, mais c'est quand même sous-entendu que tu dois le faire pour être bien vu ou être quelqu'un sur qui on peut compter, entre guillemets. Le rythme est assez effréné. Moi, j'étais en contrat de 39 heures, mais je me retrouvais souvent à faire beaucoup plus d'heures. Je compte entamer des procédures, étant donné que mes arrêts maladie, sur toute ma période de travail, n'ont jamais été payés. Donc, j'ai des gros trous de salaire. Mes heures sup, la plupart du temps, n'ont pas été payées. Non-respect du droit à la déconnexion, harcèlement moral et licenciement abusif, bien évidemment. En fait, ils m'ont licencié, c'est assez cocasse quand même. Ils m'ont licencié à la période où on devait quand même porter le masque. Ils m'ont licencié, soi-disant, pour non-port du masque, non-respect des règles d'hygiène, ce qui est totalement faux. Ils m'ont viré aussi, soi-disant, parce que je ne pointais pas. Sauf que j'avais fait remonter le problème de la badgeuse à mes responsables. Fun fact, la plupart des gens qui avaient mon poste ou au-dessus, le manager de boutique, ne pointaient jamais. Je vais être franche avec vous, l'expérience au début a été assez fun, j'ai appris beaucoup de choses.
En dehors des jobs que j'ai eu avant, j'ai appris quand même beaucoup de choses, mais j'ai vraiment regretté ce type d'expérience. Parce que moralement parlant, c'est hyper dur de devoir supporter soit certaines brimades de vos collègues, soit de l'harcèlement de certains collègues. Je dirais aux personnes qui consomment toujours dans cette enseigne, c'est même si vous êtes pressé pour votre commande ou vous avez un rendez-vous juste après, soyez toujours conscient que les équipes derrière se tuent pour essayer de vous satisfaire au possible. Donc essayez vraiment d'être le plus compréhensif possible. Bien évidemment, ça c'est dans tout type de restauration. Juste dans certains restaurants, faites attention. Et le conseil que je donne à tout le monde, c'est avant de consommer quelque chose, sentez toujours votre nourriture avant de la consommer. Il faut apprendre à respecter l'humain. C'est-à-dire, les personnes qui sont sur votre terrain, c'est ceux sur lesquels vous devez le plus compter. C'est pas seulement le siège qui compte, c'est pas seulement les chiffres qui comptent, c'est les personnes, vos collaborateurs qui bossent sur le terrain. C'est hyper important de les respecter.